Eh bien salut à toutes et à tous, c'est King Magie, j'espère que vous allez bien, moi je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour de magie. Aujourd'hui c'est un tour de magie, on va tenter de transpercer un billet avec une feuille de papier et un stylo. Allez c'est parti pour la démonstration et les explications, comme d'habitude, allez c'est parti. Alors pour la démonstration de ce tour, nous aurons besoin d'une feuille de papier qui peut être donnée à l'examen et d'un billet, donc moi j'ai pris un billet de Monopoly. Donc nous aurons besoin également d'un stylo, voilà. Donc maintenant nous allons plier le billet comme ceci, voilà, et la feuille de papier. Donc maintenant nous allons mettre le billet dans la feuille de papier, comme ceci, et nous allons passer le stylo à l'intérieur du billet. Vous voyez bien ? À l'intérieur du billet, voilà, hop. Et maintenant, si j'appuie, hop, ça a transpercé. Donc, vous voyez bien que ça a bien transpercé, vous voyez ? Voilà. Maintenant, nous allons retirer le stylo. Hop. Et maintenant, on voit bien que la feuille a été transpercée. Donc, je cache la lumière pour pas, sinon on voit pas trop, vous voyez pas très bien, hein, si on fait, enfin, voilà. Donc vous voyez bien que ça a été transpercé, que si je frotte sur le billet, lui, est intact. Donc nous passons sans plus attendre aux explications de ce tour très impressionnant et très facile à faire. Alors, pour l'explication de ce tour, vous aurez besoin de plusieurs matériaux. Donc ici, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un ciseau, attention les ciseaux, ça coupe, et d'un cutter. Donc attention, les cutters c'est vraiment très dangereux, ça coupe. Vous pouvez faire ça sous la supervision d'un adulte. Et d'un billet de Monopoly. Vous pouvez prendre un faux billet que vous pouvez acheter dans une boutique magie. Donc moi j'ai pris un billet de Monopoly, vous faites ce que vous voulez, mais un billet. Pas un vrai, hein, parce qu'on aura besoin d'une préparation. Vous allez savoir pourquoi par la suite. Et d'un stylo. Donc pour commencer, vous allez prendre votre billet. Voilà. Et avec votre billet, vous allez en fait prendre le cutter. Donc vous faites ça sous la supervision d'un adulte. Et vous allez faire en fait une petite. Hop, une petite ouverture comme ceci. Donc vous allez voir, donc vous voyez, vous ouvrez ici, juste ici. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc vous avez fait une petite encoche. Faites de préférence une assez grande encoche, pardon. Voilà, donc une encoche comme ça. Voilà, donc avec mes lumières au-dessus, on voit pas très bien. Il faudrait que je règle ça, mais voilà. Donc voilà. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ranger votre cutter. Et vous allez couper un bout de papier. Donc un bout de papier, pas assez grand, enfin pas très grand, hein, assez petit. Vous voyez, faut qu'il soit plus grand que le billet en fait. Faut qu'il soit plus grand que le billet. Voilà, donc une fois que vous avez coupé un bout de papier assez grand, comme ceci, vous voyez, et en fait, vous allez plier, vous êtes prêt à arriver sur scène une fois que vous avez tout ça. Alors, pour là, une fois que vous avez découpez, fait votre petite encoche et découpez le papier, vous êtes prêt à arriver sur scène. Donc, vous dites que vous avez un stylo basique, vous pouvez le donner à vérifier au spectateur, ainsi que le papier, mais pas le billet, parce que le billet, il y a l'encoche. Alors, quand vous montrez le billet, vous allez mettre votre pouce et votre index comme ceci, pour pas voir l'encoche. Vous voyez ? Et vous montrez comme ceci, vous dites qu'il est normal. Et vous posez, et comme ici, en fait, ça dépendra, comme s'il y a des petits dessins dessus, on verra pas trop la rainure. Ça sera assez discret. Donc, voilà. Donc, après, vous dites que vous allez plier le papier. Vous pliez le papier. Hop, comme ceci. Vous pliez le billet. Donc, quand vous pliez, vous faites en sorte qu'ici, il n'y ait pas l'encoche. Voilà. Hop, vous pliez. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre le billet dans le papier. Comme ceci. Et vous dites que vous allez passer le stylo à travers. En fait, vous allez passer votre stylo
dans l'encoche, comme ceci. Ce qui fait qu'il va passer sur le côté et qu'il va pouvoir percer la feuille. Voilà. Et là, vous appuyez. Donc, il passe dans l'encoche. Donc, vous, vu du spectateur, comme ça, quand vous montrez comme ceci, il a l'impression que c'est vraiment dans le billet. Et là, vous pouvez appuyer, hop, comme ceci. Et le spectateur, là, ne verra rien. Car, en fait, il s'est passé ça à l'intérieur. Voilà. Et là, vous pouvez retirer, tout simplement, et vous montrer que... Et là, en cachant, pareil, la rainure. Donc, vous prenez le billet dans votre main. Voilà. Et vous dites que ça a été percé. Et ce qui est magique, vous dites que... Donc, en prenant avec le pouce et l'index sur la rainure, vous dites que si vous frottez, eh ben, il n'y a plus de trou. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tour. J'espère que j'étais clair. Si j'étais pas clair, bah, vous avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker juste ici en laissant un pouce bleu. Et vous n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour pas louper une prochaine vidéo juste ici. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Quand tu fais de la magie de cartes, nous allons commencer tout de suite. J'ai une spectatrice qui va m'accompagner pour tout le long de la vidéo. J'ai 4 as qui peuvent être données à l'examen. 1, 2 et 3, 4.